Oui, c'est ici. Le bâtiment du roi. C'est un bâtiment à 3 étages, un hôpital. Droit d'accès impossible. Bâtiment 3 étages. Le montant en blouse blanche, l'autre. Oui. Donc ça a cramé. Ça a cramé. Plus de 180 maisons brûlées ici. Est-ce qu'il y a eu des morts? Non, mais il n'y a pas eu de vie humaine, malheureusement. Mais tout est parti. Un accident bête. Ah bon? Un accident bête. Un enfant qui utilise le brasseron prend feu, hein, ça brûle le ciment, hein, le pagne, la petite jette le pagne sur le matelas, ça prend la maison, une panique, ça prend tous les cadavres, tout le monde est collé. La maison était essentiellement en planche. Ok. Donc plus de 80 maisons brûlées. 189 exactement. Oh là là. Ça s'est passé quand ça? Oh, il y a déjà... C'est quand nous étions avec le Premier ministre à Ouvira. Mais il faut réfléchir autrement sur l'urbanisation dans toute la République. Parce que ça, ça peut arriver n'importe où dans le pays, c'est pas normal. Olivier. Belle photo. La forêt, il y a un locateur qui n'arrive pas à la chute de la forêt. Maman, on a ses manies. On a ses manies. Mi Swahili na évité. Aujourd'hui j'ai tenté, non, ma belle Abisso de Tolinko Yokamingo Badbazo Loba. Au lieu de se contenter de la vraie information, de l'unique information est à la Nayokaki. Yo Motozana jeton, Ozo Bangani. Ataba Lobi, Yozana jeton, au continent Katia Babengani. Et bon, ce que Ozo Bangani. Zala calme. Talatina Souka, au monde à ceux qui ont besoin, au besoin. Boete. Ah, voilà. Azoyoka. Donc, qui peut m'expliquer ce qui s'est passé ici? Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Pardon? Ce qui s'est passé? Nous avons ici le rapport... Il faut parler fort. Pourquoi ça a brûlé? Nous avons ici notre madame... Non. Les maisons qui ont brûlé ici, c'était quoi? C'était du fait qu'on n'a pas eu l'endroit là où il est sorti. C'était aux environs de 16 heures. Une maison était brûlée et cette maison a influencé d'autres maisons. Et précisément, on a dénombré la maison qui se... 189. 197 maisons. Bon, la mairie a envoyé des camions qui a fait une intervention à 18h30. L'intervention que la mairie avait envoyée a aidé les gens. Le feu était éteint. Ok. Maintenant, la première dame est venue vous assister. On va maintenant voir le quartier qui a cramé. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Excusez-moi. On va prendre la maison. Pardon. Donc, c'est tout le quartier qui a cramé. Oh là là. Là-bas, il y avait des maisons. Là-bas, il y avait des maisons. Là-bas, il y avait des maisons. Là-bas aussi, il y avait des maisons. Partout. C'était tout un quartier qui a cramé. Tout un quartier qui a cramé. Aïe. Donc, tout ici, il y avait des maisons. Tout un quartier avait cramé. Hum, c'est ça, non? Oui. Quartier. Tout un quartier. Tout un quartier. Oui. Jusqu'où? Jusque là. On sait pas. Par ici. Hum. On sait pas. Toutes les maisons. Hum. Vous étiez là? Vous avez vu ça? Non. Vous avez entendu? Nous étions un peu éloignés. Mais vous êtes venu quand même quand ça a commencé à brûler. Oui, oui. Donc, il n'y a que les hommes qui sont sortis. Les effets, les habits, les matelas, tout, les télévisions, tout a brûlé. Oui, oui. Mon Dieu. Seulement que les humains qui avaient quitté. Oh là là. Maintenant, ils sont où? Ils vivent où? Et dans certaines familles d'entre eux. Peut-être s'il y a des cousins, cousines, d'une n'importe quelle famille. Maintenant, la famille qui avait perdu leur maison, partent et vivent chez leurs cousins ou leurs cousines. C'est ah, d'accord, oh là là. C'est terrible, hein? Dans la route, ce qui mène à la ville. Nous en avons. Non, ici on parle d'abord des maisons qui ont brûlé. Même là-bas. Ça a brûlé aussi. Ça fait, oui, ça fait aussi de votre campagne. Non, ici on n'est pas encore à la campagne, hein, maman. Attention. On sait, mais... Attention. Ah. Donc, mais maintenant, après, les gens ont commencé à construire les maisons. Oui, les gens. C'était après des semaines et demie. Maintenant, dès qu'on avait commencé de donner des aides, des contributions, donc si quelqu'un vient d'avoir même 50, 20, il commence d'acheter les planches, il commence d'acheter quelques tôles. Maintenant, à ce moment-là, ils avaient commencé maintenant à construire. Donc, mais tout n'est pas encore rentré. Non. Seulement quelques-uns, oui, quelques familles qui sont rentrées. Et si c'est beaucoup, il peut même être au moins 8 familles qui sont rentrées. Oui, oui. On est où exactement ici? Hein? Dans certaines des familles. Non, ici c'est où? Ici, on est où? Dans le quartier Nyalukemba, Venirambo. À Bukavu. Ok. On m'a dit qu'il y avait aussi un hôpital, pardon. Oui, oui, l'hôpital est là. Aussi, l'hôpital, une partie, donc là-haut. Ouais, puis hôpital. Un hôpital là-bas en bleu. Oui. Là, en bas, ça fait aussi brûler. Ça a brûlé au-dessus. Ça a aussi brûlé en haut. Une partie. L'autre partie avait été. Ok. D'accord. Bon, maintenant que la première dame est venue aider, qu'est-ce que vous pouvez lui dire quand même? Par exemple, la première dame qui est venue assister. Première. Maman Olive qui est venue assister. Elle est déjà assistée. Elle est à l'intérieur en train de remettre, de s'entretenir avec les familles. Ah, donc. Elle a déjà terminé à assister. Pas encore, elle est à l'intérieur. Ah, vous ne l'avez pas vue? Oui, elle va assister. Elle est en train d'assister. Ah, parce que moi je pensais que qui va toujours entrer par ici. Et non. Pourtant, il y a une autre partie là-bas. Pourtant, ici aussi, il y a une autre partie. Ah. Et pourtant, ici aussi, il y a une autre partie. C'est-à-dire, les maisons qui ont brûlé, on a récupéré les familles bien avant, on a donné des gens. Toutes les familles sont à on a enregistré toutes les familles. Comment? Donc là, c'est quand même une bonne chose, n'est-ce pas? Il y a des familles qui n'ont pas. Non, tous ils vont avoir. Toutes les familles seront servies. Mais c'est quand même grave, hein? Mais comment vous construisez ici? Est-ce que c'est... Ce n'est pas dangereux le fait que les maisons sont entassées comme ça? C'est une maison. Mmh. Bon, mais c'est toi qui me parles bien parce que moi je ne connais pas Swahili. Viens bien nous expliquer ici. Bien expliquer, monsieur. C'est toi qui nous explique bien ici. Moi je ne connais pas bien. Lui, le francophone. Oui, voilà, le francophone du quartier. Oui. Alors explique. Voilà. Alors dites-nous, vous qui habitez ici, est-ce que le fait de construire des maisons entassées comme ça, c'est pas aussi un danger? Les maisons qui sont trop collées, c'est pas un danger? Ça est encore très dangereux. Parce que si on pourrait même laisser quelques centimètres, une maison entre l'autre, là ça pourrait être mieux parce que dès que les gens, ils étaient présents pour faire sauver n'importe quelle maison quelconque, ils avaient manqué le chemin. Mais pour voir aussi comment faire séparer les maisons, c'était bon, c'est bien de faire séparer les maisons parce que peut-être demain ou après-demain encore ça peut se présenter, mais dès que les maisons seront entre eux, il peut même avoir une distance de 2 cm, on peut avoir le chemin parce que même la voiture de mairie, dès que la voiture avait arrivé, la voiture aussi manquait le chemin pour avoir... Donc pour voir là où il peut déposer les tuyaux, vraiment c'était dangereux. On pourrait même voir comment déconstruire une maison là-bas pour que la voiture puisse avoir une accès. Place. Mais c'était vraiment... Il y a aussi manque de la route. Oui, c'est ce que j'ai dit, manque de la route. Parce que souvent... Presque aucune voiture qui devrait passer là-bas. Les voitures passent difficilement pour passer là-bas. Ce jour-là, c'était grave. Et presque, même quand les maisons se brûlaient, donc il n'y avait pas moyen pour passer. Il y a des maisons qui se serrent, beaucoup de maisons. Et après cela, il n'y avait pas de moyens pour chercher comment déménager, ou soit pour chercher comment faire quitter les objets dans la maison. Vraiment, les gens veulent souffrir dans ce cas. Alors dans ce cas, il faut une autre politique d'urbanisation de la ville. Comment construire, c'est ça. Donc tout Bukavu, c'est comme ça qu'on construit. Des maisons après maisons qui s'entassent comme ça. Non, presque c'est manquer d'abord les moyens. C'est manquer d'abord les moyens pour construire là. Parce qu'une personne achète la parcelle de 2 cm et on l'oblige de laisser encore 2 mètres, on l'oblige de laisser encore 1 mètre. Est-ce qu'il peut accepter? Il ne peut pas accepter. Et pour qu'il trouve là où sa famille va dormir, il laisse comme ça. Il va construire comme ça. Parce que même dès que les gouverneurs aussi étaient ici. Ouais. Venez, on va faire un tour. Venez. La présence aussi des gouverneurs. Le gouverneur aussi était ici. Lui aussi, il avait dit seulement qu'à propos des chemins. Parce que les chemins, pour avoir des chemins, par exemple, ici, dès que, donc, lorsque les maisons avaient commencé à déposer, parce que le fait qu'ils quittaient cette partie. Ah là, ce sont des gens qui reconstruisent des maisons. Oui. Wow. Maintenant, on disait qu'avant de commencer de reconstruire encore, il faut que l'État puisse voir comment laisser quelques centimètres. Donc, par exemple, si une maison perdait, c'est construire ici qu'on puisse laisser quelques centimètres. Maintenant, ils avaient dit, bon, on va voir comment c'est des familles, parce que peut-être il y a une famille qui avait acheté même une parcelle de 2 à 5 mètres maintenant pour laisser des centimètres. C'est très grave. Maintenant, il disait aussi pour l'armée. Parce que lui aussi, il s'était limité à partir de cet endroit-là. Parce que la route aussi était, il y avait beaucoup de montagnes, beaucoup de... Maintenant, ces familles avaient quand même besoin d'une assistance pour... Maman, elle est allée où? Tu vas où? Elle n'a rien entendu. Elle est contente. Elle est contente. Hein, maman? Maman? Mère! Oui, à quoi? Tu lui... Viens! Tu lui poses la question. Tu peux lui poser la question en swahili qu'elle réponde. Ah, c'est menini. Elle est veuve. Merci, maman. Ah bah, okay. Je pense que vous avez compris. Ah, j'ai compris juste un tout petit peu. Et l'autre là? Et la M? Maman! Hey. Unasema? Nasema mama Olive Mungu amubariki mwisho ya maisha yake amuzidishie. Tunajazwa na furaha. Mungu amuzidishie yule mama. Aendelee kumbariki pamoja na baba Kabila. Tunashukuru kwa yote wanatufanyia. Mungu awabariki. Elle est devant tellement que la bénédiction. Nafurahi sana. Nafurahi sana bien mama anafanya na baba. Vile ndio mama na baba banafanyia batoto. Tunafurahi sana. Mungu awabariki. Tunabalombea bénédiction na bénédiction, bénédiction mingi. Beaucoup de bénédictions. Sa maison aussi a brûlé. Oui. Nashukuru Mungu. Kwa yote banatufanyia Mungu yeye pekee atabalipa. Merci parents. OK. Soyez passé. Maman. Elle n'est pas concentrée. Ah, elle n'est pas sinistrée, hein? Ah, d'accord. La maman aussi de l'autre. Sinistrée aussi? Vous avez vu, madame? Madame, la première dame? Ah, on a ce manière. Yencho mama, yencho mama. Anatutosha make, mvumbi, yencho mama. Sifa na heshima zimurudili. Merci. OK. Swahili. Non, toi il faut que tu sois là. Moi j'ai trouvé mon assistant. J'ai trouvé mon assistant. Vous m'accompagnez, OK. D'accord. Accompagnez-moi, comme ça vous allez m'aider à à traduire. Ah, vous passez ce parti, c'est parti là-bas. Non. Vous regardez ce qui ici, il n'y a pas les choses. Donc, comme ça. OK. Il n'y a pas les choses. Ici, c'est très difficile. Je vais chercher. Elle aussi. Demande un peu si elle peut parler. Faut demander. Maman. Unaona mama? Unasema nini? Unaona mama? Ndio mimi namuona na mimi nafurahi sana. Mimi nasema Mungu endelee kumbariki na bariki papa na wote wenyewe wanamuassocier papa, endelee kumuunga mkono kama vile nasi tuendelea kumuunga mkono. Tunashukuru sana. Sa maison a aussi brûlé. Oui. Maintenant vous vivez comment vous êtes où? Tu peux parler en swahili? Mimi niko jira bali nisaidia fasi moja. Mama tu moya alijisikia tu kunikamata na familia yangu. OK, d'accord. Maman, niwe. Ah, vous aussi? Votre maison était brûlée? Ndio. Oh là là, vous avez vu maman, madame la première dame. Mungu amsaidie na muongezee. Tunafurahi sana. Ndio watoto wote wiko ndani la nje. Wengine ndio walitupokea kwa nyumba bado tunawasemea merci. Mungu asaidie mama kwa hii upendo na tupendee. Est-ce que Quand votre maison a brûlé, est-ce que vous avez pensé qu'elle pouvait venir vous assister? Accenti, maman. Accenti, merci. Donc on continue. Autotonie, les enfants. Ok. Ah, là, elle aussi. Oui, aussi. Vous venez de là? Oui. Vous avez vu, madame? Vous pouvez dire, vous avez quelque chose à dire? Maman Olive Lembe. Merci. Les enfants. Pardon. Nous sommes un petit bozon. Il ne peut pas traduire. Donc le feu a commencé ici? Non, on ne sait pas même là où le feu avait commencé. Mais c'était là, c'est bien, parce que le feu attaquait seulement. On est dans quel quartier? Toujours c'est dans le quartier Irambo. Irambo. Quartier Irambo, commune? C'est quartier Nyalukemba. Nyalukemba, commune? Commune d'Ibanda. Ok. Allez, merci beaucoup. Je vais terminer par là. Donc, on va terminer la vidéo par là. Voilà, c'est tout, pratiquement tout un quartier qui a cramé. Et donc, c'était quand que l'incident est survenu? C'était quand? C'était le vendredi. C'était vendredi 15. le vendredi 5. Mmh. Donc ici, de 15h, le 5 septembre, il y a eu un incident qui s'est déclaré ici. Et la première dame a eu écho de ce qui s'est passé dans ce quartier. C'est ainsi qu'elle est venue aujourd'hui pour assister les victimes profitant de son séjour dans le sud Kivu, à Bukavu précisément, où elle assiste aux opérations des enfants nés avec des malformations congénitales, le spina bifida, mais également l'hydrocéphalie. Elle est venue ici à assister comme elle peut ces enfants, les familles sinistrées. Donc voilà, au total 190 familles, ce que j'ai vu la liste là, vont recevoir de rien, un petit quelque chose, de quoi reconstruire les maisons et acheter ne serait-ce que 2-3 chaises pour redémarrer la vie, quoi. Voilà, on est en direct de Bukavu. C'est comme ça, commune d'Ibanda depuis Bukavu. Alors je vais dire merci à tous mes amis qui m'ont accompagné, ils sont très gentils. Comment on vous appelle? Je m'appelle Moïse. Moïse. Vous? Christophe. Vous? Décision. Mo? Décision. Votre nom c'est Décision. Waouh. Et vous? Merci beaucoup, je vais vous dire un grand merci. Et tous ceux qui nous suivent, ce sont les amis qui m'ont aidé pour traduire. Parce que mon swahili est... disons que je ne connais même pas swahili. Merci, hein, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà.